depuis qu'il a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers cet hiver, la perspective de voir noir en Jesse Basquiat s'était attendue. Il y a 3 mois, son agent Bill Duffy avait annoncé la couleur, estimant qu'il se dirigeait très probablement vers la retraite. Selon The Athletic, Joakim Noah souhaiterait d'ailleurs l'acter sous le maillot des Bulls, comme l'avait fait l'ancien Celtic Paul Pierce, qui avait signé un ultime contrat d'un jour avec Boston, avec Chicago, qui rêvait à des lendemains glorieux après l'ère Michael Jordan. Six titres entre 1991 et 1998, il n'aura manqué qu'un titre pour rendre l'histoire parfaite, tant les fans ont apprécié son dévouement et sa férocité de tous les instants sur les parquets. Avec l'autre star de l'équipe Derrick Rose, ils s'en sont approchés en 2011, battus en finale de conférence et par le Miami Heat 4-1, de LeBron James, un de ses meilleurs ennemis avec lequel il aura livré de grandes batailles physiques et verbales. Au total, Noah, 2,11 mètres, drafté en 9e position en juin 2007 après avoir été 2 fois champion universitaire NCAA avec les Gators de Floride en 2006 et 2007, a disputé les playoffs 6 fois d'affilée, de 2009 à 2014, avec les Bulls. En 2014, quand il remporte le trophée de meilleur défenseur de la Ligue, il est monté à 618 rebonds avec les Bulls cette saison-là, il fait aussi partie du meilleur 5, fort d'une moyenne de 13 points, 11 rebonds, 5 passes, plus d'un contre et d'une interception par match. Il est même 4e des votes pour le titre de MVP. En 2016, il suit Rose à New York, la ville où il est né le 25 février 1985, mais le projet du président des Knicks, Phil Jackson, ancien coach aux 11 bagues, 6 avec les Bulls et 5 avec les Lakers, est un fiasco. Et pour ne rien arranger, il écope d'une suspension de 20 matchs en mars 2017 après avoir été contrôlé positif à une substance prohibée. Noah rebondit chez les Memphis Grizzlies 2018-2019, au point que les Lakers et Clippers le convoitent pour la saison suivante, mais il se blesse à un tendon d'Achille, un des plus sérieux pépins physiques qui ont émaillé sa carrière, avec ses opérations du genou gauche en avril 2014 et de l'épaule gauche en avril 2017. Enfin remis, les Clippers l'engagent en mars 2020, mais la pandémie de coronavirus repousse son retour, qui a finalement lieu durant l'été dans la bulle sanitaire de Disney World où l'équipe est finalement éliminée en demi-finale de conférence ouest par Denver. Le joueur, qui disposait d'une année supplémentaire de contrat non garanti, n'est finalement pas conservé par la franchise californienne. Également suédois, par sa mère Cecilia Rodé, Joakim n'a porté le maillot des Bleus qu'à 22 reprises entre 2009 et 2011, décrochant tout de même l'argent au championnat d'Europe 2011 avec notamment Tony Parker, battu en finale par l'Espagne, 98-85. Côté vie personnelle, Joakim Noah est fiancé au mannequin brésilien Ribeiro depuis septembre 2019. Il est le papa d'une petite fille prénommée Leia Eri depuis septembre 21-2016, mais l'identité de la maman est toujours restée secrète. Let's Block ADS. Why?